les deux stars, hein, sans faire sans être indélicat avec les autres patineurs. C'est vrai que les deux stars, c'est Kevin Emoz et Adam Siao Imfa, qui vont maintenant se présenter sur la glace. Et pour l'instant, c'est le patineur de Grenoble, Kevin Emoz, sixième à la finale du Grand Prix à Pékin dimanche dernier. On est anéanti pour Kevin Emoz. Pourtant, ça avait bien débuté, hein, avec le triple boucle piqué. Et derrière, ça a été un enchaînement. Que c'est dur pour Kevin. Ah, j'ai pas vraiment les mots parce que je m'entraîne avec lui. Donc, je vois ce qu'il fait à l'entraînement. Je vois ce qu'il a produit ces derniers mois. C'est pas du tout une réflexion de tout l'effort qu'il a mis. Ça vous fend le cœur. Ça me fend le cœur, ah, parce oui, que à la finale déjà c'était le programme, ça a été compliqué.
Il est arrivé ici avec un bon esprit, en tout cas c'est ce que j'ai senti, et c'est vraiment dommage de l'avoir vu baisser les bras dans ce programme. On sait que c'est difficile. Mais là, quand on enchaîne deux chutes comme ça, c'est vrai c'est difficile. On a mais il faut une envie, c'est de se cacher, quoi. Certes, mais on est aussi là pour se battre jusqu'au bout. C'est difficile. Il est reparti hein, quand même. Hein. Il est reparti à la fin. Malheureusement, il y a des éléments qui ont disparu. Il y a des éléments qui n'ont pas été effectués et ça va lui coûter très cher. Très certainement, peut-être le podium. Ça me fend le cœur, vraiment. Ah oui, c'est dur. Ça, c'est clair que c'est très très dur pour Kevin. C'est pas une réflexion de tout le travail qu'il a mis à l'entraînement. J'espère qu'il va réussir à rebondir. En tout cas, c'est tout ce que je lui souhaite. Parce que ce programme, c'est un bijou. Quand il est très très bien patiné, c'est incroyable à vivre et à voir. Donc c'est dommage. Voilà, mais une carrière est faite aussi de haut et de bas. Aujourd'hui, on était au creux de la vague pour Kevin. Et j'espère qu'il remontera vite. Il va très vite rebondir. C'est tout le mal qu'on lui souhaite, évidemment. Déjà, être qualifié pour la finale du Grand Prix, c'est pour donner une comparaison, c'est le Masters, hein, c'est le Masters de tennis, c'est les meilleurs joueurs au monde, c'est les meilleurs patineurs au monde, c'est les 6 meilleurs. Au tennis, c'est les 8 meilleurs au monde. Au patinage, c'est les 6 meilleurs au monde. On avait 2 Français, il y avait Kevin et Moses. Donc déjà. C'est exactement. Enfin, c'est incroyable. Mais maintenant, on a envie aussi pour l'athlète que ça continue. Bien sûr. Tout au long de la saison. Après, on sait que la saison, elle est pas linéaire. Il y a des hauts et des bas. Des bas qui sont un peu plus durs que d'autres à surmonter, mais j'espère que vraiment il surmontera celui-là. Bon, t'as fini le programme, t'as été jusqu'au bout. Ça, c'est bien. Non, c'est pas bien. Ah, t'as été jusqu'au bout. De ma merde. Tu t'es puni un peu, je pense. Je me suis auto-flagellé. Tu t'es fait harakiri. Exactement. Comme au départ du programme, ça s'est fait. C'est bon ? Et ouais, exactement. C'est pas ça ? C'est un proverbe qui dit ce que tu as fait ? Ouais. Hein ? Ce qui n'a pas été fait. Ouais, moi je pense qu'il faut que tu relâches. Que tu relâches la pression, que tu te laisses le temps de descendre pour pouvoir remonter. Et là, t'as pas eu le temps. Là, je pense que tu vas poser un problème. Parce que... En fait, je suis pas. C'est dur tous les jours. L'entraînement, la réussite. Le quotidien. Un peu dur. Le quotidien en général, c'est. Tu t'es tiré dessus. J'ai un peu peur de passer à côté de ma carrière. Bah, t'as déjà une super carrière. Après toi, à quel moment t'es passé à côté de ta carrière? T'as déjà une super carrière. Tu penses que dans le monde, c'est une patinage avec les Kevin et Moses, t'as fait avancer. Alors, je vais dire un truc. Pour moi, t'es celui ces dernières années qui a fait le plus avancer le patinage. On voit tes figures chez tout le monde. Ouais, je sais. Tout le monde. Et bah, t'es donc déjà, t'es reconnu. D'accord? Oui. Ou pas? Mais tu sens que t'es proche de faire un goal. Et que tu as peur de ne pas y arriver. C'est ça ? C'est assez dur depuis 4 ans de voir que les choses sont juste à portée de main. Et de pouvoir les attraper. Et j'arrive pas à les attraper. Et entre-temps, il y a donc arrivé. Ça m'a bien secoué le cocotier. Mmh. Et ensuite, j'ai eu mes blessures. Et... Après, c'est bien d'avoir de la confiance pour être capable de faire ça. C'est dur parce que là, le score, il va être très faible hein, pour Kevin. L'analyse de Kevin, les mots de Kevin, mais il a une magnifique carrière. Il ne faut pas qu'il dise qu'il a l'impression d'être passé à côté de sa carrière parce que c'est fantastique ce qu'il a réalisé jusqu'à présent. Bien sûr, mais c'est toujours assez compliqué quand on sent qu'on est proche et que ouais, mais oui. On n'y est pas.